Hello, bienvenue dans la suite de notre Let's Play sur Horizon Forbidden West. Donc nous sommes en compagnie de Varl. Nous explorons beaucoup, beaucoup, beaucoup à la recherche d'une copie de l'intelligence artificielle Gaïa. Je viens de récupérer une nouvelle arme, la fronde explosive à gel. Et a priori, on doit continuer par ici. Alors. Donc, de ce côté, on va être discipliné, on va suivre. Hein. Ok. Non, non, mais descends, oui. Descends, s'il te plaît, à l'œil. Attends, excuse-moi. Comme ça? Mais je vais me croûter, moi. Tu veux pas... Ça a été. Alors, je vous explique, vous voyez pas, mais il y a un chat qui vient se poser devant l'écran. Ce qui ne va pas être dramatique pour moi si je ne vois pas ce que je fais. Merci. Donc c'est Monsieur Chotard, un petit Maine Coon, pour info. Enfin, petit. Le Maine Coon, ce sont des grands chats. On est proche de la sortie. Mais je dis petit parce qu'il a que 9 mois, même s'il est déjà plus grand qu'un chat classique adulte. Voilà, donc vous savez tout. J'ai mon petit chat qui m'accompagne. Ah. Ah bah évidemment. Ouais, effectivement. Si elle n'allait pas dans la même direction que nous, ça serait pas drôle. Alors. Ces machines. Je pourrais essayer cette nouvelle arme dessus. Ah, L1 pour la roue des armes. Je ne m'en souvenais pas. Je suis nulle. Fabriquer. Ben c'est bon, je suis à fond au niveau munitions. C'est bon, je l'ai équipé. Donc a priori, je fais ça. Ah, par contre, là, non, j'aime pas du tout le point de vue. J'aimerais pouvoir voir un peu mieux. Ah, bah ben non, ben c'est magnifique. Attends, mets-toi là, Aloy, s'il te plaît. Si tu veux bien descendre. Tu veux pas descendre? Si. Voilà. Attention. Je vais en profiter pendant qu'elle est fragilisée. Je ferais mieux de prendre mon arc. Elle est déjà fragilisée, à l'œil. Mais j'arrive pas. Alors j'arrive pas avec cette manette, j'arrive pas. Je vous le dis tout de suite. Tiens. C'est bon. Ah, elle esquive, c'est là. C'est bon, merci. Heureusement que t'es là et qu'on est en mode facile. J'arrive pas du tout à... Mais tais-toi, arrête de brûler, sérieux. Relou. J'arrive pas du tout, je vais finir ma phrase, à maîtriser la visée avec cette manette. Je m'en sortais nettement mieux sur PlayStation 4 avec le premier opus. J'ai un mal fou là, je sais pas pourquoi, ça... Je sais pas, il faudrait peut-être que j'aille dans les paramètres et essayer de régler la sensibilité du joystick, je sais pas si c'est possible parce que ça me plaît pas du tout, ou alors je sais pas s'il y a une visée automatique qui est activable, mais... Tiens d'ailleurs, vous savez quoi? Vous savez quoi? Du tout. Ah oui, j'avais vu ça, j'avais regardé en hors caméra, en fait, au niveau des compétences. On a un arbre de compétences et quand on a obtenu un nombre de points suffisant, et ben forcément on peut récupérer une compétence quelconque, enfin quelconque, les compétences qui sont proposées. Et ça c'était pas mal, augmenter votre limite de concentration. Donc la concentration c'est ce qui permet justement de ralentir entre guillemets le temps pour pouvoir viser à l'arc. Et là j'avoue que j'y arrive pas des masses, en même temps j'ai pas activé ça, donc la concentration n'est pas à son... apogée, on va dire. Ceci dit, j'ai également vu dans des paramètres, je sais plus où, des paramètres du jeu, tout bonnement, je crois que c'était là, voilà,
Ici, on n'avait pas à mettre. Je vous montre, hein, je ne sais pas, peut-être que ça pourrait vous intéresser si vous faites le jeu ou si vous l'avez fait. La durée de concentration. En fait, ah, il y a très long aussi. Par défaut, long, très long. Ben, écoutez, on va choisir ça, tiens. On va voir si ça change quelque chose. Mais je suis pas sûre que ça m'aide pour la visée, j'ai du mal. J'ai vraiment du mal avec le joystick, là. Tu as dit que cette copie était notre dernier espoir. Oui. Tous ces endroits où je suis allée ces derniers mois, il devait y avoir d'autres copies. Mais il y a 1000 ans, un certain Ted Faro les a toutes effacées. Il faisait partie de Zénith Pointin ? Non. Il était pire. Ah, ok. Il va falloir qu'on fasse l'équilibriste. Bon, après, c'est facile, hein. Il n'y a pas grand-chose à faire de plus pour maintenir l'équilibre. Hein. Ça se fait tout seul. Ça n'a pas changé. Alors, ceci dit, a priori, on ne va pas pouvoir passer par là. Ok. Wow. Ce gros machin de métal ressemble au vaisseau qu'on a vu dans l'auditorium. Imagine rejoindre les étoiles là-dedans. Examiner le cadavre. Les machines les ont tous massacrés. Décidément, c'est pas pour quelque chose. On est censé pouvoir écouter ça? Pourquoi ça se pas du tout. Ah, eh ben, youpi. Non, ben, n'insistons pas, ça veut pas. Normalement, c'est un point d'intérêt, ça c'est quelque chose à écouter a priori, ou... Mais là, vous voyez, c'est... What the fuck. Peu importe. Tant pis. Machines patrouillent là-bas. On peut les marquer via le focus pour les garder à l'air. Bon, je vais essayer de gérer mieux parce que, hein, là c'est un scandale. Hein. C'est comme si je n'avais pas fait le jeu le 1 deux fois, mais bon, peu importe. Non, mais là concrètement, c'est pas la même manette. C'est toujours de la faute de la manette, on est bien d'accord. Non, tout ça pour dire qu'il y a quand même quelques petits changements. Non, non, je suis pas là. Vous ne m'avez pas vu, je ne suis pas là. Mince, j'avais loupé l'occasion. Ah non, c'est pas trop tard. Pour l'attaque silencieuse. Lui, il est encore loin. A priori, j'ai le temps de fouiller. Ouais. On s'occupera des... Les objets récupérés là qui sont là peut-être un peu plus tard. Non? Comment tu fais pour m'avoir vu? J'étais caché derrière la pierre. Enfin, pas assez. Où es-tu? Où es-tu, petite bête? Ah, tu n'y as pensé? Non, 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 il n'y a personne, il n'y a personne. Tu me bloques, monsieur Varl. Ouais, t'es pas convaincu, machine, hein, qu'il y a personne. Oh oh! C'est raté! C'est pas grave, on y va! What the... Hein? Hein? Pardon, j'ai eu un... What, c'est quoi, tu m'as envoyé?
trouve la caméra insipide, mais bon, bref, peu importe. Bah vraiment sérieusement que je trouve une solution parce que... L'utilisation du focus pour marquer la cible, ça me... Bof. Moi j'avoue, j'étais pas non plus fan dans le 1, j'aimais pas les séquences. Il fallait qu'on utilise le focus. C'est un peu dommage hein, parce qu'il y a une partie du jeu qui est un petit peu basée là-dessus, mais je sais pas, j'aime pas. C'est quoi ça? Rien du tout. Si, peut-être. En fait, ce que j'aime pas avec l'utilisation du focus, c'est que du coup, on est tout mou, tout ralenti, vous voyez? Ça m'énerve. Alors, attends, réfléchis. Il y a une... Oui, il y a une échelle là-haut. Pour l'instant, c'est assez... L'arc de chasseur... Vous voyez, c'est très saccadé, il n'y a pas de fluidité dans le mouvement, c'est... Ça m'embête. Allez, hop. Au fait, je voulais savoir, Sona était vraiment d'accord pour que tu ne rentres pas aux terres sacrées? En tant que chef de guerre Nora, elle a compris pourquoi j'étais obligé de te suivre. Mais en tant que mère, elle n'était pas ravie. Ça lui arrive de l'être? Je crois pas l'avoir déjà vu sourire. Moi non plus. On peut pas passer ici, évidemment. Attention. Attention, par où veux-tu qu'on passe? Tout ça, c'est du décor. Il n'y a pas moyen d'accepter. Réfléchis, regarde. En plus, je passe trop de temps sur ce plateau, je le dis à chaque fois, ça peut faire sourire ou... Ici. Nope. Splatoon, je sais pas si vous connaissez Splatoon 1, 2, enfin en l'occurrence là c'est le 2. On peut utiliser les gyroscopes qui sont dans la manette. Donc en fait, quand vous bougez votre manette, ça fait bouger votre caméra aussi. Et vous, ah bah là, vous pouvez régler la fluidité en fonction de vos habitudes de jeu, de vos préférences. Et c'est vrai que du coup, tout ce qui est visé, j'ai toujours je mets longtemps en fait à me faire au système de visée sur une manette classique où on fait tout au joystick. Oui. Parce que je joue énormément à Splatoon et j'ai vraiment l'habitude d'utiliser ces gyroscopes. C'est comme du motion gaming si vous voulez. Alors voyons. Là, ici. Ok. Donc on retourne par là. Ok. Ça ressemble à des cobras, non? Et s'ils ont massacré tous ces Océram, on n'arrivera jamais jusqu'au centre de données. On ne pourra pas les éviter. Et ils sont trop coriaces pour les affronter. Il faut trouver un village et demander l'aide des chasseurs. Ça prendrait des semaines et on n'a pas le temps pour ça. On pourrait s'arranger pour que cette navette tombe. Ce truc? Comment? Je vais trouver. Attends-moi là. Aloy. Je reviens. Et elle est repartie. Descendre en rappel. Attends. Pour trouver comment la faire tomber dans le bassin. Atteindre la navette pour trouver comment la faire tomber dans le bassin. Yes, je sens qu'on va bien s'amuser, tiens. Alors attendez. C'est tellement beau, mais là, vu que je tourne une vidéo, j'aimerais quand même être en mesure de prendre un screen.
Ah non, malheureusement, si je fais ça, j'arrête l'enregistrement. Ben tant pis! On va se soigner un peu. Oui, sac médical plein, je sais, je veux juste me soigner. Tu veux pas, t'es pas d'accord? Eh bien, c'est magnifique. Ok. Allez, go! Alors, on va essayer de faire gaffe un peu. Si j'arrive à accéder à cette tour, je devrais pouvoir traverser jusqu'à la navette. Alors, faut accéder à la tour. Mais évidemment, le chemin va être d'embûche. D'embûche, pardon. D'embûche. Maline va. Bon, allez, on essaye. Je devrais peut-être m'en tenir à l'avance pour économiser des munitions. Ok. Bon, ça commence à venir tout doucement, mais sûrement. Ok. C'est pas ça, tais-toi. Nanana, nanana. Aloy. Aloy. Non, 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 je veux deux minutes, je veux réfléchir à un truc, sérieux. Crotte. Ah, quand même. Merci. Je voulais prendre le temps de me soigner et réfléchir à quelque chose. Qu'est-ce qu'on fait? Allez au bourrin, mode bourrin! J'adore le mode bourrin! What? C'est quoi ce délire? Attends, l'esquive, l'esquive, c'est là. Ya ya ya. Oh, mais doudou, doudou! Sérieux? Non mais... Eh oh! Y'a pas moyen d'esquiver, sérieux là? Enfin pas d'esquiver, de viser. Attends. Paramètres. Concentration automatique. Oui, guérison automatique. Oui, ok. Qu'est-ce que c'est que ça? Non. Bon. Tant pis. Oh, mais le mode photo. Mais le mode photo, mais suis-je bête? Suis-je sotte? Normalement, je peux activer ce mode photo sans avoir besoin de cesser mon enregistrement pour prendre des belles captures comme ça, regardez. Bon, ça va vous casser les pieds, hein, mais bon. Ouais, bref, allez. Je ferai ça tout hors caméra. L'aubépine de la jungle. Là, je peux grimper à la tour grâce à cette échelle.
Go, go, go. C'est beau quand même. Hein. Yes. Bon, maintenant que j'ai grimpé. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a un rail au-dessus. Je crois que je peux l'atteindre en m'élançant après avoir utilisé mon grappin. What? S'il te plaît, Alec, qu'est-ce que tu fais là? Un rail au-dessus, je crois que je peux l'atteindre en utilisant mon grappin. Là, là! Ah, ouais, d'accord! Comment ça? Raté? What the fuck? Attends, excuse, explique à l'œil. Ben pourtant, c'était bien ça. Sauter, appuyer sur X pour attraper des points d'accroche. Appuyer sur. Avant d'atteindre un point d'accroche pour vous jeter dans les airs. Ah! C'est bon. Ah, nickel. Oh là là, c'est nouveau ça. C'est assez impressionnant. Tac, tac. Ici. Pouette, pouette. Oh là là, ça n'a pas l'air stable cette affaire. Ça s'annonce bien. Oui, comme tu dis. Allez, hop, hop, grimpe. Ensuite. La tempête en oh, c'est loin là. J'ai peur moi. Comment on fait déjà pour sprinter? On court, on saute, on fait machin. Je suis trompée, ça n'a pas marché. Et c'est pas grave, je vais récupérer ça. Ah, à moins que... Oh là là, c'est chaud l'affaire là. C'est bon. C'est bon? Comment ça, c'est bon? Tu trouves que c'est bon? Mais à l'œil, c'est absolument pas bon. C'est tout juste flippant cette affaire. Ouh. Mais... Non mais. C'était limite. Oui. Une tour, mais... on l'entend moins. À la suivante. Allez hop là. Nom de Dieu. Je pourrais jamais sauter jusque là-bas. Mais il y a un câble. Je peux peut-être m'en servir pour traverser. Eh ben, vas-y, accroche-toi dessus, s'il te plaît. Voilà. Ouh, il y a un problème. Bon, pas le choix, je dois monter. J'ai un peu hâte d'être arrivé. Parce que... Là, c'est un coup à... Ah, je sais pas quoi, mais ça va pas le faire, moi. Ça. On dirait que d'énormes fixations maintiennent la navette en place. Il y a une console près d'ici. Si j'arrive à ouvrir les fixations, la navette devrait tomber pile dans le bassin. Ah, je me rends pas compte du temps qui s'est écoulé. Je pense qu'on va pas tarder à arrêter. Caché dans les herbes. T'es où toi? T'es trop loin. Mais esquive, 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 esquive. Mais genre... Excusez-moi, hein, mais...
Je vais tomber en vide par ici, c'est pas une bonne idée. Bon. C'est assez différent du premier. Ça reste plutôt sympa au niveau de l'amplitude des mouvements et tout. Ah, tu m'as eu quand même, toi. C'est bon. On récupère ce qui est récupéré. Ah. Ok. Yes. Qu'est-ce que tu veux que je fasse avec ça? Ah oui, c'est notre coup. Ok. Est-ce que ça va avoir les résultats escomptés? Pas visiblement, parce que ça, ça résiste. Non. Eh ben, faut monter puis couper ça. Il y en avait des prises dans ces câbles. Je dois escalader la tour pour essayer de les débrancher. Yes. Escalader la tour. Oh là là. Ça aurait été trop beau. Du coup, on va peut-être s'arrêter là quand même et finir cette escalade. Un peu plus tard. Au prochain épisode. Ou alors on essaye de finir. Non, j'essaye vraiment de respecter. Un temps pour les vidéos. Oh, bah regarde, ça va être pas mal ça. Ouais, bon, non, du coup, on va s'arrêter là. Je vais réfléchir à cette histoire de d'ascenseur ou de je ne sais pas quoi. Ça, de toute façon, c'est en surbrillance. Donc voilà, c'est exactement, c'est ce que je me disais. Mais du coup, j'hésite encore. Est-ce qu'on fait ça maintenant? Eh bien, non, on va pas faire ça maintenant. On s'arrête là et on reprendra donc notre ascension sur ce château de cartes à moitié dangereux. La prochaine fois. Eh bien écoutez, merci d'avoir regardé et vivement le cinquième épisode. Ciao !